Les Pour aujourd'hui, je vous propose de nous pencher un peu sur l'argument de l'innovation comme solution à la crise climatique. C'est un argument très répandu qui est sorti lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, qu'on a pu entendre aussi à la fin de notre œil du bouseux sur Tatiana Vantos critiquant Greta Thunberg. Comme quoi les extrêmes se rejoignent. Il paraîtrait ainsi, selon des gens qui ne sont jamais scientifiques, qu'il faut faire confiance en la science, en la technologie, en l'innovation qui va régler tous nos problèmes dans un futur proche, car je l'ai vu dans ma boule de cristal qui prédit l'avenir. Notons tout de suite le sens des mots employés. Innovation. L'innovation renvoie à ce qui est nouveau. Bon, jusque-là ça va. On remarque alors qu'on ne parle pas de progrès, hein, on ne parle pas de quelque chose qui est mieux, on parle de quelque chose qui est nouveau. On est donc dans un lexique disruptif de Startup Nation qui va innover en vendant très cher de la confiture réalisée à partir de produits de première qualité. Alors la gentrification de la confiture c'est nouveau parce que jusqu'ici la confiture c'était un truc de pauvre qu'on fait avec des fruits qui ont une sale gueule mais pour autant ce n'est pas un progrès, plutôt une arnaque pour soutirer des thunes à des gens qui en ont trop et se sentent trop bien pour acheter de la confiture de pauvre. Mis à part cette parenthèse hors sujet, mais obligatoire car c'est la saison des confitures, hein, vivent les produits de saison, on constate que l'innovation ce n'est pas le progrès. Prenons la trottinette électrique. Tu avais un moyen de transport non polluant, ou si peu, et grâce à l'innovation, tu en as fait un moyen de transport polluant qui consomme des métaux lourds à cause de la batterie. Une batterie qui n'est là que pour se fatiguer moins tout en évitant de prendre les transports en commun avec ces autres connards de parigots. Là encore, ce n'est pas un progrès, au contraire même, car ce moyen de transport se révèle plus polluant par son existence que par son absence. Alors évidemment, me direz-vous, et vous aurez bien raison, mais je vous serai gré de ne plus m'interrompre, la trottinette électrique, ce n'est pas le cœur du problème que nous rencontrons. Le vrai problème, ce sont les ultra-woke qui veulent interdire à nos riches, les pauvres, de voler en jet privé ou de jouer au golf. Quelle horreur, quasiment le stalinisme. On nous dit alors que ce n'est pas la solution et qu'il faut... Attendre des trucs. Des trucs innovants qu'on n'a pas encore et qu'on ne sait pas trop quoi parce qu'on ne l'a pas encore inventé, mais euh, on trouvera une solution. La solution par l'innovation, c'est de trouver une solution plus tard, un jour. Si les ingénieurs et les scientifiques veulent bien se bouger le cul, parce que ce n'est pas les entrepreneurs qui vont trouver des idées, hein, sinon ils n'auraient pas besoin de payer des gens pour travailler à leur place. L'appel à l'innovation, le techno-optimisme, repose sur la croyance qu'on va trouver une solution plus tard. C'est totalement antiscientifique, hein, en se présentant fallacieusement comme un appel rationnel à la science raisonnable, face au hors de décolo bobo, le couteau équitable entre les dents qui veulent nous faire revenir à la bougie bio. Ce qui est con, hein, parce qu'avec le climat qu'on aura bientôt, les bougies fondront toutes seules. Alors pourquoi la solution par l'innovation, c'est antiscientifique On peut trouver en particulier deux arguments. Déjà, c'est irréfutable. On ne peut pas dire que cette solution de l'innovation future n'est pas une bonne solution, car par principe, elle n'existe pas encore. Ainsi, on peut prétendre tout ce qu'on veut, que tous les problèmes seront résolus par l'intervention divine de l'innovation. Tu vas voir, ça sera génial avec des lendemains qui chantent. C'est un petit peu le grand soir version start-up, quoi. Ensuite, la science se repose sur ce que l'on sait déjà, pas sur ce que l'on saura peut-être. C'est la célèbre formule, en l'état actuel de nos connaissances, on peut affirmer ceci ou cela. Miser sur l'innovation, c'est dire, en l'état futur de nos moyens qu'on n'a pas encore, on pourra faire ça. Peut-être, si on a la foi, hein. euh, si on y croit très fort, hein, et qu'on attend sans casser les couilles aux plus riches. Pourtant, les moyens... On les a. On sait que la crise climatique est causée par une production massive et souvent dispensable. Réduire la production et la consommation, en particulier le superflu, et arrêter de considérer que la croissance économique est un objectif pour l'humanité alors qu'elle ne profite qu'aux bourgeois, tout ça, c'est une solution. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut savoir être réaliste et pragmatique. Nous sommes dans une situation écologiquement critique où l'heure n'est plus à éviter le réchauffement climatique, mais à limiter la casse, à faire en sorte que le monde de demain soit le moins insupportable possible. Or, ce n'est pas très réaliste ni pragmatique dans notre situation critique de miser sur des solutions qu'on n'a pas encore, mais qu'on trouvera sûrement si on cherche bien. Il faut déjà admettre, d'une part, que ces solutions existeront, qu'elles existeront à temps, et qu'elles se mettront en place assez vite. En admettant qu'il s'agisse d'une solution, la voiture électrique existe dans sa version moderne depuis dix ans et ne représente actuellement que 4,6% des parts de marché à l'échelle mondiale, alors que le nombre de voitures n'a cessé d'augmenter. Idem pour les transports aériens, l'avion bas carbone n'existe même pas encore et il est pourtant présenté comme une solution. Enfin, une grande partie des promesses de l'innovation repose sur la prétention à produire des technologies consommant moins d'énergie ou rejetant moins de carbone mais c'est sans compter sur l'effet rebond. L'effet rebond, c'est votre parent qui laisse la lumière allumée en sortant de la pièce. Alors vous le faites remarquer, et là on vous répond Oui, mais ce sont des ampoules basse consommation. Mais le but des ampoules basse consommation, c'est qu'elles consomment moins, pas qu'on les utilise plus longtemps, sinon on appellerait ça des ampoules longue durée, putain d'enculé. Ça, c'est ce que vous aimeriez répondre, mais comme vous n'avez pas envie de vous froisser, ni d'être excessivement vulgaire avec une personne trop vieille pour entendre une contradiction, vous vous contentez d'un soupir bouffi de lassitude en éteignant la lumière. Bah, l'effet rebond, c'est ça c'est quand une nouvelle technologie consomme moins que la précédente, et pour cette raison, elle sera plus utilisée, à plus grande échelle, car moins coûteuse, et ainsi, paradoxalement, elle consommera autant, voire plus. Améliorer le rendement énergétique de nos technologies est ainsi une impasse, voire un piège, car cela ne garantit absolument pas une diminution des rejets de carbone, au contraire, cela risque même de les augmenter en réduisant les coûts de production. Ainsi l'appel à l'innovation est un pari sur l'avenir consistant à prétendre qu'on va inventer un airbag génial en cours de route sur une voiture qui fonce à 200 km/h contre un mur alors qu'il suffit d'appuyer sur le frein. Contrairement aux prétentions, ce n'est pas très rationnel. C'est bien pour cela que vous n'allez pas trouver de scientifiques compétents dans un domaine associé à l'écologie qui va défendre l'argument de l'innovation, mais ce seront toujours des politiciens ou des patrons, pardon, des entrepreneurs les scientifiques, en raison de leur formation, se rendent bien compte qu'on ne cherche pas à résoudre un problème avec des moyens qu'on n'a pas encore. ce serait comme un médecin qui conseille de continuer à baiser son capote en attendant de trouver un vaccin innovant contre le sida. alors on peut toujours chercher le vaccin, hein, mais si ça se trouve, on l'aura jamais. alors dans le doute, il faut mieux faire avec ce qu'on a sous la main. Notre émission est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.